merci encore une fois d'être là à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Tous les fois, je vous relance en faisant dites-nous, vous nous écoutez, dites-nous qui vous voulez avoir comme invité. Là, je l'ai fait il y a deux, trois podcasts. Relancez-moi encore une liste d'invités, de gens que vous aimeriez. Puis c'est pas obligé d'être juste des gens de la télé. Tu sais, des fois, vous pensez à quelqu'un, là, vous dites, hey, lui, là, on le voit pas tant que ça, on l'entend juste à la radio, ou on le voit moins, il est plus au théâtre, ou à la limite, quand même bien qu'il est pas dans l'univers artistique. Des fois, c'est intéressant de jaser avec plein de monde différent. Donc, j'adore vos suggestions. N'hésitez pas. Pour les autres, ben, vous pouvez nous suivre ici sur la chaîne YouTube. Il y a d'autres personnes. Vous pouvez nous suivre sur le Patreon. Sur le Patreon, c'est écœurant parce que vous contribuez. Moi, ça me permet de payer la fille qui fait le montage du show. Puis en plus de ça, vous avez accès à tous les épisodes à l'avance. C'est merveilleux. Maintenant que je me suis plugué en masse, ça part. Très heureux aujourd'hui, l'invité que j'ai. C'est un collègue de radio que j'ai appris à connaître dans Véronique et les Fantastiques. Vous, vous le connaissez, vous l'avez vu à TV, vous l'avez vu au théâtre, vous l'entendez à la radio. J'admire ce gars-là parce que j'ai l'impression qu'il a une maison autosuffisante. Lui, j'ai comme la pandémie, je pense, ça n'a rien changé. Il a fait « Non, moi, j'ai des récoltes, mon énergie est bio-énergétique. » Là, je dis des mots que je ne comprends pas, mais bref, c'est vraiment un plaisir de m'entretenir avec Frédéric Pierre, mesdames, messieurs. Ah, Fred Pierre! Hey, salut! Quelle intro, merci! Ça va bien, man, ça va bien. Toi? Grand plaisir. Mais c'est vrai que ça m'impressionne. À toutes les fois qu'on se voit à radio, il y a quelque chose de nouveau comme qui est autosuffisant sur ta maison, ou je ne sais pas, des panneaux solaires, puis un truc pour récupérer l'eau, puis des petites pousses, puis des... Je sais pas trop. Je suis vraiment flabbergassé de ça. Ouais, je sais, hein, mais c'est pas si tant que ça, mais c'est vrai que j'en ai parlé beaucoup au Fantastique. Mais tu sais, vous m'avez pogné au moment où j'étais les deux pieds dans ce projet-là, puis je suis encore là-dedans. Fait que oui. Absolument, mais je veux juste dire que t'es une belle rencontre aussi pour moi aussi, tu sais. C'est vrai qu'on s'est connus à travers les Fantastiques, puis j'aime bien ça quand on est ensemble, ouais. T'es bien fin, Fred. Ben, d'ailleurs, c'est drôle parce que, tu sais, nous, c'est un peu ça, là, parce que je demande toujours la première question, c'est quoi notre lien de connaissance? Puis ouais. Nous, c'est clairement Fantastique, mais je me suis souvenu de la première discussion, tu sais, parce que quand tu jases avec quelqu'un, tu veux trouver quelque chose où, tu sais, il y a comme un lien où on peut bander ouais. Sur... Puis c'est quand je t'ai vu arriver en moto, j'ai fait « Ah, ce gars-là connaît la moto! » C'est là qu'on s'est mis à parler de bike. Puis as-tu c'est encore vrai. Ta moto? Oui, je l'ai. Puis man, je l'utilise pas assez. Là. Je capote ma vie cet été. J'ai été trop... J'ai accompagné beaucoup ma fille sur des plateaux cet été énormément. Fait que, bon, je la fais rider des fois avec moi, mais pas pour une ride Laurentide, Rive-Sud, là, genre. Là, tu sais, ouais. Un peu. Fait que je n'ai pas fait beaucoup, puis je suis bien triste de ça. Mais je pense que je vais me reprendre cet automne, j'espère. Ah mais moi j'ai un nouveau bike, fait que c'est sûr que moi tous les matins je vais à la radio, mais j'ai pas d'enfant aussi. Je suis pas sûr que je serais game de conduire avec un enfant. Ça veut dire que t'es un très bon conducteur si t'as. Je l'ai fait. Oui, je pense que je suis pas pire, mais je l'ai fait tranquillement. Là, puis de toute façon, je suis toujours nerveux si j'embarque mes enfants. Puis c'est. Je pense que c'est ça qu'il faut. Le jour où tu embarques sur ta moto et que tu n'es plus nerveux, range-la dans le garage, sérieux. Exactement. Il faut toujours que tu sois un peu craintif et que tu prennes les courbes en disant je peux tomber. Là, j'ai un Honda CBR, mais j'ai. Ouais. Aussi un Triumph Bonneville 1200. Tu sais, j'ai... Nice. Deux motos. Mais attends, oui, là, ça va. Mais je salue ouais. Moto Repentigny au passage. C'est que Moto Repentigny m'a fourni un bike pour l'été. Ils m'ont dit, ah, tu sais, tu parles souvent de moto, on aimerait peut-être ça que tu essayes le Honda. Puis j'ai fait, ah, oh, je vais l'essayer. Si vous voulez que je l'essaye, je vais l'essayer. Okay. Je suis vraiment très chanceux. Moi, j'avoue ouais. Que aussi, tu m'avais bien touché quand tu t'avais parlé au Fantastique que tu pleurais en faisant du jogging. Ça, ça m'a kill drette, là. Ce qui est quand même vrai, c'est drôle ouais. Parce que c'est je fais ça. Pierre-Yves Roy Desmarais a un gala cet été à Comédia, puis ils m'ont demandé ouais. De faire un numéro, puis je raconte ça, mon problème de moi qui pleure à la course parce que les hormones que ça sécrète. Ça me rend émotif. Bon, ceci étant dit, je t'explique, Fred Pierre, c'est super simple. C'est 10 questions de Bernard Pivot qui étaient posées dans Actor Studio que j'ai complètement volées. Puis wow. Bernard Pivot, lui, les a volées à Marcel Proust. Fait que tu vois, maintenant, ces questions-là sont libres de droit. Puis j'ai 13 questions qui sont à moi. Et Fred, je te demande une seconde de ton temps parce que mon chat est dans le bureau et gratte pour sortir, ce qui n'était pas prévu. Je pensais qu'il était déjà à l'extérieur. Donne-moi une seconde. Ah ouais, go.
On l'a marché ça, puis là, elle s'enfuit pendant que j'ai. Bon. Ça, c'est le bout que j'aime. Parfait, comme ça. Bon, il est allé aux toilettes. Il est allé. Il en profite. Au le chat, il a le dollar, comment? Ouais, ça sera tout en haut montage. Et voilà! De retour. Bon. Donc, oui, première question du questionnaire de pivot, c'est quel est ton mot préféré? Lavabo. C'est vrai? Lavabo? Snap réponse. La sonorité de lavabo ou la Ouais, j'ai accroché dessus. Non, juste la sonorité. Je me souviens même du moment quand j'étais kid, puis que ça a comme jerké dans ma tête ce mot-là. Les fils sont touchés, puis c'est comme c'est pas français. Il y a comme lavabo. Un mot qui finit en BO, je sais pas. J'ai capoté sur ce mot-là, puis jusqu'à ce jour, c'est un des mots que je trouve le plus absurde et qui me fait rire. Un lavabo. J'avoue que ça se dit bien, lavabo. Puis en plus, on dirait qu'un lavabo, il y a plein de termes. Moi, mes parents disaient le sink, puis je pense que c'est pour sink. On a toujours dit ça à Saint-Hyacinthe. Mets ça dans le sink, puis j'ai jamais pris le temps de savoir d'où que ça venait. Mais lavabo... On parlait de l'évier, bien sûr, prof de français. J'avais pas le droit... Peut-être ça, peut-être que j'avais pas le droit de dire lavabo, fait que... il y avait comme une tentation. Puis à l'opposé, c'est quoi le mot que tu détestes? Que je déteste le plus. Ben, dans la même veine, débarbouillette. Oh mon Dieu! Elle porte pas le bouillette, là, il marche pas là-dedans. Là. C'est supposé évoquer le propre, puis ça évoque des barbouillettes. Ah non, ça marche pas, j'haïs des barbouillettes. Tu sais ce qui est étrange, Fred Pierre, c'est que ce mot-là a été. Tu sais, là, c'est le 45e épisode. De souvenir, il y a au moins 5 personnes que débarbouillette, c'est leur mot favori. Oh, favori? Favori. La sonorité, eux autres aussi. Wow. Simon Boulris, mon premier invité, tripait sur débarbouillette. Oh, il disait que c'était humble, une débarbouillette. Non! Hey, c'est drôle, même moi, je trouve ça dégueulasse comme mot. Ouais, j'avoue, débarbouillette, c'est pas... Il se prononce mal, on dirait. Ouais, est-ce qu'il y a un autre terme que tu utilises pour dire ça? Là, faut, je pense à mon père, à ce qu'il m'enseigne. Non, je pense que c'était vraiment une serviette. Non, une débarbouillette, je pense. Ouais. C'est le vrai terme. Mais il est dégueulasse, qu'est-ce que tu veux? Il accroche dans la bouche, ça marche pas. La prochaine question, je l'ai adaptée là, selon le questionnaire parce qu'à la base, c'était votre drogue favorite. Je l'ai changé pour votre dépendance favorite. Y a-tu quelque chose dont tu peux pas te passer? Certes. Certainement. Mais celle que je trouve dure, c'est, je vais préciser, c'est le verre de vin, mais en cuisinant. C'est vraiment à l'heure de cuisiner. C'est pour moi, j'ai besoin, je le veux. Fait que quand je fais des stretches sans alcool, comme tout le monde, moi sans alcool ou quoi que ce soit, c'est le moment où c'est dur, c'est vraiment vers 5h, 5h30, on se met à cuisiner autour de l'îlot, je capote ma vie. Puis après ça, ce qui est bizarre, c'est qu'après ça, c'est juste illusoire. Je me rends compte que c'est il est rendu 6h30, 7h, puis je n'y pense plus, mais ouais, à l'îlot, ça prend. Puis est-ce qu'on parle de vin blanc, vin rouge, vin orange? Non, rouge. Juste rouge. Hey, j'ai jamais même testé un vin orange encore. Je suis vraiment retard, hein? Ben, tu sais quoi? J'ai vu ça cette semaine sur Internet, puis j'ai bien aimé, c'est sur Twitter. Quelqu'un a écrit « Les gens qui aiment le vin orange n'aiment pas le vin. » Fait que ça... I relate to that, parce que je pense que c'est au Fantastique que j'ai la première fois que j'ai entendu parler de vin orange. Ben, le Bianca Gervais, je pense, c'est son moment fort depuis 4 ans, là, fait que tu sais, c'est sûr que... Elle a lâché les mid-century. Mid-century, bon... puis j'étais comme, de quoi il parle? Puis là, j'avais peur d'avoir l'air niaiseux. J'étais comme, oh, mais orange, qu'est-ce que c'est ça? Je vais nous informer un peu, puis non, je n'ai pas encore essayé, je n'ai pas encore acheté. C'est-tu si bon que ça? Ben, moi, en partant, je suis vraiment pas un fan de vin, fait qu'on dirait que le vin orange, j'ai encore moins trip. Moi, j'aime mieux le rouge, après ça, tu sais, le blanc, l'orange, mais encore là, je suis plus rouge, puis de temps en temps, parce que ma blonde réussit à en sortir un qui n'a pas trop de sulfite puis qui me donne pas mal à la tête en dedans de 2 secondes. Okay. Mais je suis pas un fan de vin. Qu'est-ce que tu bois? Y a-tu une sorte en particulier? Tu fais celle-là? Ou j'imagine c'est ton propre vin que tu fais toi-même? Là, non, non, non. Non, ben, je fais juste ma bière à Guillaume. j'aime bien les vins de la Toscane. J'aime beaucoup les vins qui ont du corps en général. Hein. Tu sais, il y a bien du monde qui me dit tu vas voir avec le temps, maintenant, tu vas apprécier plus les vins légers. Puis non,
non, ça me prend du corps, ça prend de l'action dans la bouche. Je comprends. Je dis je comprends parce que c'est un mécanisme de réponse au podcast. Ouais. Je comprends rien. J'haïs ça pour mourir quand il y a du corps et que c'est raide. Moi, je trouve que tout ce qui est un peu trop fort, je trouve ça comme sanguin. On dirait que dans ma bouche, c'est comme mordre dans un bœuf pas cuit. On dirait que c'est voilà. Comme ça goûte le sang. Moi, c'est, ça accompagne très bien les plats très sanguins. C'est, ouais. Il y a toute une différence, je m'imagine, entre moi, mais c'est peut-être la campagne à un moment donné, tu sais, des envies de braconniers qui viennent. Ouais. Envoie le sang. Parfait. Là, on retourne dans les petites questions plus faciles. Ton bruit ou ton son que tu aimes le plus entendre. Puis là, en plus, tu es plus en nature. Y a-tu quelque chose qui. Ton son favori? Je pense que c'est le cri des huards. Ah oui! Que je ne peux vraiment imiter, là. Je sais que tu t'en vas là. Mais... non, je dis tout dessous, là. Non, mais le cri des huards. Ouais, quand tu as un couple de huards qui s'installe sur un lac, là, tôt le matin ou tard le soir, ben, à la Brunante aussi, là, c'est un chant qui m'émeut encore aujourd'hui, tout le temps. Ouais. Ça fait 10 ans, 12 ans que je l'entends, mais. Il y a quelque chose là. Puis en plus, sur un lac, tu sais, ça résonne, là, sur un lac, t'entends tout. Ça, c'est drôle parce que je l'ai appris d'une anecdote venant de, André Robitaille. J'ai vu ça sur un post parce qu'il vit sur un lac. Je ne sais pas s'il est à l'Estérel lui aussi, mais il a juste mis un post à un moment donné de « Hey, quand vous êtes sur le lac puis vous parlez contre moi, j'entends tout. » Et ça, là, ce post-là, je l'ai tellement retenu parce que maintenant, j'ai acheté un petit chalet pendant la pandémie sur le bord d'un lac. Fait qu'à ce temps, tu sais, l'autre fois, il y a un des voisins, peut-être qu'on aime un peu moins. Puis j'étais, on peut jamais le dire sur le lac. Non. Ça. C'est vrai que ça sonne, là. Les gens chuchotent, puis on les entend chez nous, là. Fait que, faut faire attention. Tu me fais remarquer que je me souviens d'un épisode, on était chez un ami à campagne. Puis, passe sur le lac en ponton, en speedo debout, Bernard de Rome. Man, Bernard de Rome, speedo, là, moment magique, là, on fait. Là, on part les commentaires. Waouh, Bernard de Rome en speedo, Bernard. Mais là, tu viens de me rendre compte qu'il nous a, c'est clair qu'il nous a entendu. En plus, Bernard de Rome, on voit jamais ses jambes à l'écran. Exact. Ça quelque chose d'assez extravagant à voir. Tout le temps en speedo. Ouais. C'est ça qu'il y a. Il est en speedo aux nouvelles aussi. C'est ça qu'on n'a jamais su. Puis, y a-t-il un son que tu détestes? Un son que je déteste, my God. Ben, comme tout le monde, les grincements, mais plus. Ben, je peux pas dire déteste, mais je vais rester dans le côté nature, là. Oui. Je me souviens qu'à un moment donné, j'entendais des coyotes, tout ça. Puis j'étais comme, c'est cute. Mais à un moment donné, tu sais, le lendemain, visiblement, il était plus proche. Puis c'était une meute, là, man. Ça se répondait, là, tu sais, c'était la totale. Je t'avoue qu'au jour 3, c'était un son qui m'agressait un peu, là. Je me watchais, mon gars, je watchais tout. Tu sais, les enfants étaient petits dans ce temps-là, puis tout. Fait que j'étais, wow! Ouais. Oui, puis ça peut être mauvais, un coyote. J'ai vu ça dans les nouvelles là, dernièrement, qu'il y a un coyote. C'est drôle, je n'ai parlé hier avec Mike Ward, mais il y a un Yorkshire qui a défendu une petite fille de 6 ans qui était comme... Parce qu'il y a un coyote qui s'approchait puis qui était fâché, puis il s'est fait snapper par 46 points de suture sur le Yorkshire, là, quand même. C'est vrai, donc, hein? Faut faire attention aux coyotes, tu sais, c'est drôle. J'ai aussi, dans la dernière année, on dirait que j'ai comme désenchanté un peu du côté... c'est bien bucolique. Parce qu'on a bien des pistes ici dans le coin pour faire de la raquette, de la marche, puis toutes sortes de randonnées. Puis tu sais, tu vois des pauses passer. Faites attention sur les pistes. On a vu un pékan, tu sais. Le pékan, c'est le carcajou, là, genre. Là, ouais. C'est super agressif, ça a l'air. Puis tout. Là, je nous ai comme tout équipé. Je nous ai acheté du petit poivre de Cayenne. Puis je marche les fesses serrées à cette heure quand je fais des randonnées. Ouais, c'est ça. C'est plus relax. Ça me fait chier parce que quand c'est un peu mon fun. Je suis un peu comme... Tout le temps comme aux aguets. Puis là, je pars. Hey, à plus petite échelle, là, t'sais, moi je suis un grand fan de disque golf. Puis au parcours de disque golf, on a reçu une alerte comme quoi il y avait des tics. Puis là, je suis comme on a plus de plaisir. Là, on peut se faire piquer par une bébite qui nous donne le Lyme disease. Là, j'ai plus de fun. Je vais là-bas, je suis toujours un peu. Là, je mets du stuff, mais je fais il n'y a plus de fun. Je veux pas que mon disque aille dans la forêt. Puis, je sais que c'est moins pire qu'un carcajou, tu me diras, là. Mais je sais pas, encore. Je te dirai un jour. Mais non, la tic aussi c'est stressant. Ça veut dire qu'on est en pandémie et on parle de tic. Ben, c'est correct. Regarde, il y a des meilleurs jours quand même.
Prochaine question, j'en ai plein là, que j'aime beaucoup, mais celle-là, j'aime. C'est différent à chaque personne. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Oui. Oui. Ma perruche plume, qui s'appelait. Et j'en étais un peu responsable, c'est pour ça que je m'en souviens. Ça m'avait marqué. Ouais, j'avais une perruche, puis je m'en occupais pas super bien. J'étais vraiment jeune. J'avais dit à ma mère, ben oui, je vais la nourrir, puis je vais aller, tu sais. Puis moi, j'étais ado. Je suis revenu un soir dans, c'est ça, la cage était dans ma chambre. Fait que je comprends mes parents. Là, ma mère a fait ben, regarde, il s'en occupe, tu sais, mais non, je pense que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé, je sais pas. Boum, dead dans la cage, fond. Mon gars. Au fond, puis c'est vraiment un deuil plein de culpabilité. Là. C'était ouais. Tu vraiment... as rajouté une étape, toi, aux étapes du ouais, deuil. T'es comme ouais. Culpabilité après first, ça. Ouais, ouais. Culpabilité, genre, c'est jamais parti. Il n'y a pas d'autre étape. Jusqu'à ce jour, je sais que j'en suis responsable. Fait que, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Culpabilité, colère, versus acceptation, puis ouais. Bargain. Pis... Mais c'est... Ah oui, hein. Puis est-ce que tu sais, mettons, si tu t'en es rendu compte, là, jour, tu sais, où t'as fait, ça faisait peut-être genre déjà une semaine. Non, c'est sûr que c'était le jour. Ok, c'est sûr ok. C'était le jour. Non, c'est sûr, parce que je la checkais quand même le matin, mais hey, c'est niaiseux, je te dis ça, je la checkais le matin, mais trop paresseux pour la nourrir. Je sais pas, j'étais ado, man. Mais oui, ben oui, je comprends. Mais tous les enfants disent, ils veulent un animal, puis oui, je vais m'en occuper, puis right. J'ai des amis qui ont fait, on va acheter un chien, les enfants vont le promener. Jamais de la sainte vie, là, tu sais. Moi, mon exact. Père, quand j'étais jeune, j'ai dit oui, un chat, c'est ça, je m'en occupe. Le chat a vécu 21 ans. Je pense que j'ai changé la litière la première journée. Puis après ça, mon père, pendant 21 ans, qui a fait ah, c'est ce chat de merde, que jaillit. Exact. Que, ouais. Je viens d'acheter un chat aux enfants. Là, fait que si tu me ramènes à l'ordre, je sais ce qui m'attend. Ça va être ça. Il va y avoir beaucoup de petits pelletages, puis de tamis, puis de recherche de trésors dans la roche. Là. Okay, bonne c'est chance avec super. Ça. C'est quoi ton gros mot, ton blasphème préféré qui n'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant? C'est sûr que ça en est. Je pense que c'est vraiment mon blasphème. Moi, je sacre. Mes enfants me l'ont dit d'ailleurs. Je sacre beaucoup. Fait que, je pense que c'est Christ, sérieux. Ouais? Ouais. Ça mord bien. Tu sais. Mais ça a l'air, je sacre beaucoup au quotidien. Ouais, c'est vrai? Même quand, oui, ben, pour moi, même quand c'est heureux, qu'est-ce que c'était cool. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pas un blasphème de colère, là, c'est une ponctuation. Là. Ouais. Qu'est-ce que c'était cool, ça se dit bien. Ouais. Mais dans le fond, mon blasphème, blasphème ou onomatopée préférée, je l'utilise pas, mais mon père l'utilisait et bien des Haïtiens à toute sauce. C'est juste un. Hein, tu sais, tu l'as bien fait. Tu veux tout dire, même ça, hey, même ça de, à toute sauce. Papa, il y a un party ce soir, peux-tu aller chez Intel? Fait que je peux y aller. Faut que tu décèles une réponse. Ouais. Tu sais qu'il est pas trop content, mais il te dit pas non. Puis ça. Mais ça, c'était écœurant. Mais tu sais, moi, je l'utilise pas, mais waouh. Le fameux. Mais est-ce que c'est, mettons, culturel de. En disant ça, tu laisses l'autre personne, c'est comme établi de parler le moins possible, l'autre personne va lui-même s'empêtrer ou lui-même répondre, ou tu sais. C'est peut-être, c'est intéressant, man. Ça me fascine, ce fameux là, chez les Haïtiens, ouais. qui comme façon, ça clôt un peu. Il y a des fois où je faisais, OK, fuck, il veut pas, puis je partais, mais il y a des fois où je t'insiste un peu, puis là, ça marchait. C'était juste une façon de désapprouver. Ouais. Sans trop en dire, ouais. T'as un peu bon, on dirait que j'aime l'idée de « Je peux-tu aller à un party? » Ben, tu sais, il n'y aura pas tant de monde. « Ben, je vais rentrer full tôt. » Tu sais, comme à toutes les fois, tu te mets toi-même une barrière de « Je vais aller faire. Ouais, il n'y a pas de problème. » Tu as toi-même réglé ce que tu me demandais. Exactement, man. Alors, je te jure, tu sais, t'as pas, comme parent, t'as pas besoin de crier pour te faire entendre. Ce petit là, des fois, il fait wow, man. Je faisais OK, oublie ça, vire de bord avec les amis, venez vous en les gars, oubliez ça. Ah non, c'est puissant. Ah, j'adore ça. Mais c'est toujours comme quand Véro te le demande souvent à la radio, mais tu sais, quand tu fais justement une imitation de ton père ou quand tu vas chercher, tu sais, comme justement des termes précis, je suis toujours comme ah! Je trouve ça tellement intéressant, en fait, pas juste drôle, c'est donc bien hot. Ah, j'aime ça, cette culture-là, j'aime ça, cette langue-là, j'aime ça quand il l'utilise bien. Tu sais, Kevin Raphaël aussi, à Alt, des fois, c'était même pas pendant l'émission, il parlait avec un de ses amis, puis j'étais,
Ah, c'est que c'est hot! Je comprends même pas tout, mais je trouve. Les gars ont du plaisir, j'aimais ça. J'étais fier de pouvoir dire Patnais avec lui. J'étais comme, man, t'es donc bien fin. Fait que, des codes, c'est... Hein, c'est des codes, mais, ouais. mais c'est vrai que je pense que pour bien des Québécois, il y a quelque chose dans la sonorité de ces codes-là, puis dans le swing, puis dans tout ça, où vous comprenez un peu ce qui se passe sans comprendre les mots exactement. Là, ça, c'est... Ben, tu sais, puis c'est aucunement la même chose, mais. Avec mon frère qui est sourd, je sais que mes amis, des fois, quand ils nous regardaient, jaser pour mon frère, il était « je pense, j'ai compris un bout de ce que vous avez dit, parce qu'il y a comme des gestes, tu sais, casquettes ou des affaires que tu fais. Vous avez parlé de telle affaire, mais après ça, il ne comprenait plus rien du reste. » Puis je fais « ouais, il y a certains trucs. » Tu maîtrises le tout le langage des signes et tout? Quand j'étais plus jeune, avec mon frère à la maison, puis c'est ça, je pensais que je maîtrisais. Le langage des signes. Jusqu'à quel événement? Jusque mon frère a 6 ans de plus que moi. Il est parti de la maison, il avait 19. Fait que j'avais 13 ans. Fait que tu sais, de 0 à 13 ans, j'ai jasé en signe avec lui, mais qui était comme un slang de maison parce qu'après ça, mon frère jase avec sa blonde. Je comprends absolument rien. Wow! Parce qu'il parle tellement vite, puis le LSQ, le langage des signes québécois, il est vraiment, tu sais, chaque mot, je sais pas dire technologie, tu sais, je sais même pas dire Internet. On dirait que tous les mots qui ont apparu après que mon frère ait quitté la maison, mais si je jase avec lui FaceTime, il lit super bien sur les lèvres, puis je me débrouille, là, tu sais, au pire, j'épelle le mot, puis on se comprend. T'sais. L'autre fois, j'ai demandé de venir construire le deck à la maison. Je savais pas comment dire deck, mais j'étais capable de dire bois, construction, puis j'ai besoin de tout. Puis en fait, je comprends, je m'en viens là. Okay, c'est bon. Ah, c'est intéressant, c'est cool. Est-ce que le Bersin m'a demandé, demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme Fred Pierre voudrait qu'on mette sur ce billet-là? C'est un billet de combien? Tu choisis la valeur, tu choisis la personne, tu choisis la quote en dessous. Aïe, aïe. Ce serait drôle d'avoir Marc Labrèche sur un billet. Ce serait cœur, hein? Ce serait cœur, hein? Avec sa femme. Ah ouais, ce serait cœur, hein? Genre, on met quelqu'un de la culture, genre, tu sais, pas que le reste. Ouais, ouais, tu mets quelqu'un de la culture. Puis pour moi, Labrèche, dans les 20, 25 dernières années, là, je trouve qu'il est major au Québec. Fait que, ouais. Un billet de 1000 avec Marc dessus. Let's go. C'est un billet de. As-tu une quote en dessous que tu penses ou y a-tu quelque chose? T'as-tu une phrase culte de Marc Labrèche qui t'a marqué? Ou... J'aime toute son œuvre, mais. Oh, oui. En fait, mais Marc Labrèche, dans Ding et Dong, le film, en espèce de chorégraphe de danse contemporaine, là, ce serait écœurant. Puis là, il disait ton cappuccino est peut-être un petit peu fort. Un billet de 1000 écrit peut-être un petit peu fort avec Marc Labrèche. Ouais. 1000, c'est peut-être un petit peu fort. Ça, j'avoue c'est que. J'aime ça. Y a-tu un métier que tu aurais détesté faire? D'emblée, tout de suite, je te dis couvreur. À chaque fois que je vois les couvreurs, ceux qui font les toitures, à chaque fois, je souffre ma vie pour eux parce que moi, je suis super sensible à chaleur. J'ai fait 3 coups de chaleur dans ma vie, genre tombé sans connaissance à cause de la chaleur. Même sur un toit, là, je n'en serais pas ici. C'est-tu coup de chaleur, mettons, tu faisais une activité physique ou quelque chose, ou c'est coup de chaleur, t'es dehors, tout va bien, puis bam? Non, parce que je pense que quand on fait de l'activité physique, Dieu sait, j'en ai fait tout ça, puis je m'entraîne dans la vie, puis tout, tu sais, ton corps se régule, il transpire pour justement réguler la température. Non, c'était des affaires justement d'être passif, un peu trop exposé au soleil longtemps, là, le soleil qui tombe sa tempe, puis elle m'a mené toute part en vrille. Là. Fait que, je sais pas, man, je te jure, depuis longtemps, chaque fois que je vois des couvreurs, là, j'ai mal pour eux. C'est quand même drôle comment c'est fait dans l'univers, là, mais tu sais, comme je te dis, c'est le 45e podcast que je fais, puis hier, le 44e, c'était Mike Ward, et il a dit couvreur, puis personne n'avait dit ça à date. Puis lui, il a pas dit couvreur, il a dit toiteur, et ça, c'est pas le bon terme, mais reste que ça m'a bien impressionné. Lui, c'est à cause des hauteurs, toi, c'est à cause de la chaleur. Fait que vous voyez, vous avez pas la même raison. Mais moi, j'ai pas fait de coup de chaleur, mais des insolations, j'ai fait souvent ça. Tu sais, tu prends trop de soleil dans ta journée. Ouais. Insolation, c'est que t'as mal de tête, puis vomissement là, dans la soirée, t'es comme pas bête, t'es pas capable de rien manger. Tu fais de la fièvre, mais t'as froid. J'avais fait ça au Mexique. C'était dégueulasse. Puis le lendemain, j'avais des cloches d'eau sur les épaules. Puis c'est parce que j'avais joué au volleyball trop longtemps.
quelque chose okay. de le fun, là. Ouais. Ben, petite anecdote de cloche d'eau. Moi qui me pensais, moi aussi, à l'abri des coups de soleil, parce que je n'avais jamais pogné de ma vie, parce qu'on a une bonne résistance au soleil, ouais. mais je pense qu'il ne faut pas, jouer avec le feu. J'étais au Brésil, puis j'étais parti faire une ride de bateau, puis c'était comme 3 heures aller, 3 heures revenir pour aller faire du snorkeling là, dans une, ouais. un lieu magnifique, puis je m'étais comme mis vraiment sur le pont du bateau parce qu'il faisait très chaud, puis justement, tu sais, l'eau qui splashait au fur et à mesure, ça me rafraîchissait, fait que je me disais, c'est le spot, c'est là que je vais être bien, fait que, man, c'est 6 heures totales de bateau, c'est là, soleil. La seule fois, man, je vous ai compris, là, les pauvres white dudes, là, man, j'ai jamais souffert de même, là. Mettre un t-shirt puis hurler ma vie parce que ça ouais. accroche puis des cloches d'eau le lendemain, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça? C'est bien souffrant. Puis là, quand tu plumes, ça pique puis ah mon Dieu. Ah, avais-tu plumé? Ben oui, oui, non, oui. total. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'avais, je sais pas, début vingtaine, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah, 6 heures au soleil. Mon pire coup de soleil, c'était quand je travaillais dans un champ pour érocher. J'enlevais les roches d'un champ. C'était direct en dessous du soleil. Fait que tu sais, puis en bédaine, en faisant ah, ça va être, on est bien en arrière du tracteur. Non, c'est ça. Après ça, t'as le dos rouge vif. Parfait. Là, on tombe dans les questions religieuses. Que tu crois ou non, demain tu décèdes, réincarnation. En quoi t'aimerais revenir? C'est une bonne question, ça. En quoi j'aimerais revenir si je me réincarnais? Hey, man, c'est sûr que c'est un oiseau. Là. C'est vraiment cliché, mais c'est sûr que c'est une sorte d'oiseau. Là. Voler, man, ça me... Tu sais, j'ai jamais dérogé de ce rêve-là d'enfance qu'on a tous, là. Ouais. Je veux dire... Non, j'en reviens encore pas, puis ça m'arrive encore de faire des rêves où... Ouais, ah oui, je suis capable, finalement! Puis je pars, puis je vole comme Superman. Qu'est-ce que tu veux, je... Fait que c'est sûr que ça sera un oiseau. Puis les distances qu'ils font, je sais pas, je trouve ça hallucinant, ces villes-là. Tu sais, les oiseaux migrateurs, c'est ouais. des 4000 km chaque année. Ils reviennent à la même place. Tu sais, j'ai mon ruisseau ici, j'ai le couple de canards qui revient là. Ma mère, dans sa piscine, il y avait à Rosemère, il y avait un couple de canards qui avait comme élu domicile là chaque printemps. Ils arrivaient, c'était comme, wow, c'est bien magique. Tu sais, ils voient ça d'en haut, eux autres font, oui, c'est là. Ouais, c'est chez nous, ça. Ouais. C'est chez nous, ouais. Mais voler, man. Ouais, c'est sûr qu'il faudrait que je sois un oiseau. Puis, ben ouais, oiseau migrateur, déjà, c'est une bonne réponse. On continue dans la même veine. Ben, tu décèdes, tu arrives au ciel. Encore une fois que tu crois ou non, tu es aux portes du paradis. Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent à ton arrivée? Wow. En tout cas, je ne voudrais pas qu'ils me disent « C'est-tu toi, Pierre-Yves-Laure? » ou... Ça, c'est sûr. Mais toi, là, dans l'émission, là, puis là, finalement, ils parlent de Didier ou de Pierre-Yves ouais. ou d'un autre. Là. Ouais. Bon, ça, je ne voudrais pas. Qu'est-ce que je voudrais qu'ils me disent? Oh my God. Man, je sais pas, mais tu sais, quelque chose par rapport aux enfants. Genre, tu sais, je t'ai regardé, puis... T'inquiète, t'as bien fait ça. Ils vont être corrects, tes kids. Man, c'est une réponse de papa, là, mais c'est vraiment ouais, ça. Là. Mais c'est t'sais, parfait. De dire que je vais être parti, je sais que... Je suis sûr que c'est l'inquiétude finale là, au moment de ta mort. Puis peu importe l'âge où t'es rendu. C'est-à-dire, les enfants, même s'ils sont adultes... De toute façon, je l'ai vécu un peu avec mon père quand il est décédé. Je le voyais bien, là, que ses dernières inquiétudes, c'était qu'est-ce qui va nous arriver? Puis ça, il ne saura pas. Puis ça le gossait, là, tu sais. Ouais. Le gars, c'est de laisser ça derrière et de faire, mais qu'est-ce qui va arriver? Ils vont-tu être corrects? Ouais. Fait que je voudrais qu'ils me rassurent, je pense. Qu'ils te confirment. C'est drôle, tu as raison. Tu dis c'est une réponse de parents, mais je trouve ça très beau, les parents. Linda Lemay aussi, c'était sa réponse. Ça m'a vraiment marqué. Elle dit, je veux qu'ils m'assurent que mes filles vont être correctes. Je dis, oh, ah, mon ouais. Dieu, tu sais, c'est vrai. Fait que... Ah, c'est cool parce que j'aime ça que tu me dises Linda Lemay parce que quand j'ai fait la première fois avec Véro, j'étais jumelé avec Linda Lemay, elle était là. Ouais. Puis, on a vraiment eu une belle rencontre, tu sais. C'est vraiment, on s'est rendu, tu sais, on s'est vraiment. Moi, je l'aimais depuis toujours, là, de ses chansons, mais tu sais, elle me connaissait pas. Puis on. Ouais, c'est quelqu'un qui me touche, moi, Linda Lemay. Mais moi, j'ai dû la roaster, puis pour la roaster, j'avais googlé, puis j'avais acheté cette image-là, 2$ sur Kijiji. J'étais allé chez la personne, drôlement, à Rosemère, puis elle me l'a autographié après. Une page du tout lundi. Tout est dans tout! Une page du lundi, j'ai gardé dans mon bureau parce qu'elle l'a autographié. Okay. Elle est vraiment super, cette femme-là. J'ai adoré ça, moi, ma rencontre avec elle. Ouais. Oh, on est rendu à un de mes moments favoris du podcast, c'est-à-dire
la question de ma mère. Ah! Ma mère pose une question à chacun. Tu lui demandes vraiment? C'est... Oh, c'est mère. Vraiment. Et puis là, tu vas voir la question et tu vas faire « c'est une question de mère ». Maman dit « demande-lui s'il était gêné d'être dévêtu dans Ladies Night ». Ok, ma mère veut savoir qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. Elle a vu Ladies Night, ta mère? Je ne sais pas si elle est allée le voir ou si elle a googlé l'image, mais... Étonnamment, ça n'a pas duré longtemps, la gêne, parce que, juste remettre dans le contexte, en fait, moi, j'ai participé à la deuxième version de Ladies Night. Il y avait eu une pause là, entre 2006 et 2011. Okay. Guillaume, le Métis Vierge, puis moi, on est arrivé dans la version de 2011. Okay. Fait que, c'était comme une nouvelle gang, le show repart avec des coupeurs, avec bon, un peu réarrangé. Puis avant même toute chose, avant même une réplique en répétition, on a eu un shooting photo pour l'affiche. Puis l'affiche, c'est qu'on était tout nus, puis il y avait juste un gros madrier qui nous cachait. Non, c'est pas celle-là avant, c'est ça. Mais c'est parce que... OK, parfait. La première affiche, c'était on était tout nus, puis on était cachés juste par un madrier. On était comme un gars de construction, puis on tenait un madrier. Fait qu'avant même quoi que ce soit, on s'est comme rendu dans un studio de photo, puis je rencontrais les autres, puis Charrette, hey, Marcel Leboeuf, bonjour, M. Leboeuf, enchanté, puis let's go, puis on était tenus. Fait qu'on la gêne assez vite cassée, puis tu sais, sérieux, après ça, ben non, les représentations, peut-être, oh man, une semaine de représentation, puis c'était fini, là, tu sais que t'en as pour 500 shows. est-ce que, tu dis le madrier, est-ce que vous étiez, tu sais, parce que nous, on a fait une photo nue pour un poster du Zoo Fest où chaque gars se tient les mains comme devant l'engin. Mais on est tous allés un après l'autre faire le photoshoot, puis ils nous ont mis un à côté de l'autre sa photo. My God, vous êtes bien pissus. Vous veniez tous le madrier ensemble. Nous autres, ça n'a pas été long. Ah ouais? Une minute que Charrette s'est mis à poil, on était OK, tout le monde va se mettre à poil aussi. et moi, ma question à 100$, vu que ma mère a amené ça, est-ce que toi, tu trouves personnellement que le Photoshop avec Luc Sonnet avait été bien fait sur la photo? Non! Man, c'est l'affaire qui m'a le plus fait rire, je pense. Attends, je vais le remettre pour le bienfait de ceux qui nous regardent en vidéo. C'est génial. Michel Charrette. Ouais. Et là, hop, Luc Sonnet collé sur le corps. Luc, qui a comme beaucoup de mascara, on dirait, en plus. C'est comme Ouais. C'est vraiment weird. C'est pas top. J'ai rencontré Michel Charrette pour l'émission Bijoux de famille, puis j'y ai parlé de ça, puis t'es comme, hey, j'ai rien compris, tu sais. En plus, j'ai mon tatou, puis qui reste là, puis, tu sais, ils ont photoshopé la tête, mais en fait, le reste, personne va s'en rendre compte. Exact, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que moi, je croise beaucoup ce poster-là dans les salles de spectacle que je vais faire. Il est souvent là. Puis là, des fois, là, quand je vois celle-là avec Luc Sonnet, ça me fait rire, là. Attends, j'ai manqué le double Photoshop, mais c'est parce que c'était juste pour une... Il y avait un petit stretch à un moment donné, un 5 show à Québec en ligne que Marcel ne pouvait pas faire. Puis comme c'était comme, ben, c'est pour 5 shows en ligne, on s'installe à Québec, la production a fait, bon, ben, c'est Denis Bouchard qui le remplace Marcel quand Marcel fait ça aussi. Fait que là, ils ont fait la même chose, un Photoshop comme de Denis sur le corps à Marcel. C'était weird, mon gars, c'était weird. J'adore. Bon, voilà pour la question de ma mère. On poursuit avec les questions rafales. Ça, c'est mon auteur. D'habitude, il est là, Yann, mais aujourd'hui, il ne pouvait pas, mais il te salue. On te pose des questions. Dans le fond, on te donne deux choix. Tu choisis entre un ou l'autre. Tu peux t'expliquer. Tu peux l'emporter dans la tombe. Donc, ça part. OK. Michel Charrette ou François Chénier? Man, ça, c'est chien. Mais non, j'ai pas le droit de répondre à ça. Je peux pas. Prépare-toi de bord. Mais tu sais, tu peux aller de bord, pourquoi pas un plus que l'autre? Ben, pas un plus que l'autre, parce que c'est les deux, c'est je les ai dans mon cœur fortement. Puis je vais te dire, OK, en humour, ben, c'est les deux, ils sont trop différents. Chénier, c'est un sniper, c'est un silencieux. Puis à un moment donné, paf, là, il y a une ligne qui sort, mon gars, puis on hurle de rire. Puis Charrette, c'est un truc, là. C'est un truc. Les deux me font rire hallucinamment. Fait que j'ai pas le droit de choisir ça. Je veux pas. Je refuse ce choix. Parfait. Puis si, mettons, je te disais, dans Radio Enfer, lequel tu préférais? J'écoutais même pas Radio Enfer. Sacrilège. mais c'est sûr que c'était Charrette, dans ce cas-là. Ouais. Si tu me parles de... Ouais, pauvre Chénier. Carl de Cap. Personnage principal autour duquel gravitent des personnages vraiment colorés. Ouais. Des fois, c'est pas... Ouais.
Bon, mais je sais pas si tu vas être capable, mais la prochaine, c'est Guillaume le Métis Vierge ou Marcel Lebeuf. Fait que tu vois, là, on n'est pas allé trop loin. Là, voilà, vous êtes allé simple. Ben oui, mais. Ah. Ben, Lebeuf, c'est un icône, puis je peux dire que j'ai vraiment appris énormément de choses sur scène à côté de cet homme-là. Ouais. C'est un, en humour. Ouais, ouais, non, non, Lebeuf, Lebeuf. De toute façon, Guillaume, c'est pas son métier. On dit tout le temps. Non, puis Guillaume, il nous écoutera pas. Je l'ai invité, il a jamais répondu, puis sa blonde a répondu, elle. Puis quand on a fait, quand on a fait, quand on a fait le podcast, elle dit, ouais, là, c'est ça, je suis assis dans le walk-in parce que Guillaume ne veut pas qu'on voit la maison. Que ça fait rire. Elle était dans son garde-robe. Ce qui est parfait aussi, là, je respecte ça à 100%, là. Ensuite de ça, tactique ou Real TV? Real TV. Oh, ouais, ouais. Real TV parce que c'était une méchante gang de fous. Je veux dire, puis on était dans l'humour, puis on avait 24 années, on se pensait des kings. Fait que c'est bien, c'est des belles rencontres. T'sais, tactique, ça a été plus long, tout ça. Puis, tu sais, Funk est bien le fun, là. Puis Jean-Carl Boucher, puis ils sont bien le fun rendus adultes, là. Mais à 12-13 ans, là, man, tu peux rentrer ça dans le mur, là. Ouais. Sur un plateau, là, puis, juste des niaiseries, puis c'est pas de discipline, puis on a de la misère à répéter une scène, puis ça a été tough les deux premières années. Après ouais. Ça, du gros fun. Dès qu'on pognait 16 ans à peu près, là, puis là, l'humour absurde a commencé à rentrer, puis là, on avait du fun, puis j'avoue que même ben de la misère à faire des scènes avec Pierre-Luc, des fois, c'était impossible. Là, genre, on avait beaucoup de complicité là, à la fin. Là, parfait. CoverGirl ou Musical? CoverGirl pour le défi, mais quoi que Musical, c'était vraiment un défi, là, chant, danse, tout ça. On avait même enregistré des albums. Mais CoverGirl, c'est, ouais, ouais, en termes de défi, c'était juste tout match. C'était super. La prochaine, c'est vraiment Yann qui l'a mis parce que moi, j'ai aucune idée de ce que je te demande, mais Zap ou Tag? Ah! Oui, ça dit rien. Zap. Parce que c'est mes débuts, ça m'a forgé des amitiés, Maxime Tremblay, Caroline Davernas, tout ça, ça a été un comme c'était ma gang, là, vraiment. Tag, j'avais un personnage un peu plus périphérique, là, fait que, ouais, Zap, Mazan. Parfait. Puis c'est ça, là, c'est beaucoup des questions théâtre ou télé, fait que d'ailleurs, tu sais, qu'est-ce que, y a-tu un médium que tu préfères que l'autre, si je te demande entre théâtre ou télé? Pas d'une façon absolue, tu sais, mais c'est des passes dans ma vie, tu sais, comme en ce moment, bien content de faire de la télé et de ne pas être au théâtre. Je veux dire, mon dernier show chez Duceppe m'a brûlé tête. On est quasiment 2 ans plus tard. Puis, man, j'avais vraiment, c'est une méchante run. C'est exigeant le théâtre, il faut le dire. Puis, honnêtement, c'est pas. Tu sais, c'est pas fait pour une vie de famille, là. C'est vraiment tough, tu sais. La dernière pièce que tu faisais au théâtre, c'était quoi? C'est ça, c'était Héritage chez Duceppe, qui est une traduction qu'on a faite de A Raisin in the Sun, qui est un classique contemporain américain, une famille noire, un drame, c'est une tragédie ouais. Même, là, dans les années 50 à Chicago. C'est vraiment intense. Puis mon personnage, c'est une méchante courbe dramatique, là, mon gars, ça roulait là, sur scène. Fait que, tu sais, soir après soir, c'est vraiment. C'est juste, c'est que c'est vraiment prenant. Mais tu sais, c'est le thrill absolu, là, je veux dire. Quand ça va bien, quand ça marche, quand ouais. Le show est quand même bon, puis que tu sens que la vibe est bonne, c'est sûr que le théâtre sera toujours le théâtre. Là. Ça n'accotera jamais. Que c'est... Mais... J'ai pas vu la pièce, mais j'étais allé, il y avait une remise de prix, puis c'était les décors de votre pièce, okay. Puis je capotais. C'était énorme, là, ça prenait, tu sais, des fois, oui. T'as un théâtre simpliste, mais là, c'était un building à étage, puis tu voyais ouais, comme... Ouais. C'était vraiment impressionnant, mais j'ai pas vu la pièce. Pas grave. Mais fait que voilà, il y a des passes dans vie que j'aime plus l'un ou l'autre, mais en ce moment, je suis bien content d'être à télé. Ouais. Parfait. Ben là, tu vois, on reste dans les pièces. J'espère que je vais le dire comme il faut. David Mamet ou Lauren Hansberry? Comme auteur, j'ai vraiment un faible pour David Mamet. Là. David Mamet, ouais, c'est une écriture. Qui a un rythme, qui a une rapidité. Je vais y aller pour David Mamet parce qu'il y a, c'est plus, il y a un défi plus grand à jouer du Mamet, je pense, puis à rendre ça vraiment bon. Parfait. Frédéric Pierre, t'es pas sur les médias sociaux plus qu'il faut, là, si je ne m'abuse. Là.
sais, c'est Félix Turcotte qui m'a fait ouvrir un compte Instagram quand on a commencé les fantastiques. Les fantastiques. Fait que j'étais juste sur Facebook, j'ai Twitter, j'étais comme « what the fuck, c'est Facebook sur l'acide, ça me tente pas, là, je suis pas capable. LinkedIn, je suis même pas capable de prononcer une terre. Ah non, j'ai bien d'amis avec ça, mais c'est ça. On fait toujours une recherche des médias sociaux aussi là, quand on fait le podcast. Donc, je vais te poser la question parce que Frédéric Pierre, comédien ou Frédéric Pierre, pas comédien? Parce qu'il y a un compte Twitter que c'est Frédéric Pierre, pas comédien. Il y a quand même 30 000 followers. Fait que tu sais, au début, je me suis dit, ah, c'est-tu Fred Pierre qui s'est fait un compte? 30 000 mais followers! Il y a 29 000, ouais. Ok. J'étais comme. Il s'est ramassé sur ton bras, peut-être un peu. C'est clair. C'est clair. Mais le pire, c'est que je le connais, mais je sais c'est qui. Parce qu'à un moment donné, j'avais écrit, j'étais comme, what the fuck, t'es un Frédéric Pierre à Gatineau. C'est quoi l'échange? J'étais comme, je sais, tout le monde me prend tout le temps pour toi, blablabla. Il dit, c'est pour ça que je suis obligé d'écrire partout que je suis pas le comédien, nanana. Tu sais. J'ai rencontré sa blonde, elle est venue voir Ladies Night, puis elle dit, c'est moi, là, je suis la blonde de Frédéric Pierre de Gatineau. J'étais comme, wow. Mais écrit, il y a plus de followers que moi, non? Oui, ça se peut. Sur Twitter, Twitter, du moins. On est proche, mais c'est comme, what? C'est sûr qu'il a ramassé un peu des followers en le monde qui pensait que c'était toi, là. Ben, pis, mais il poste en maudit, là. J'ai vraiment scrollé beaucoup, là, tu sais. Post olympique, post de François Legault, post de, tu sais, il y en a. Puis il prend pour le Canadien, d'ailleurs, c'est dans sa bio. Bon, fait qu'on le salue. Il ne scannera pas, c'est correct. Non. Exact. C'est de la pub, hein. Moi, il me fait de la pub, c'est parfait. Il y a une question que, en fait, c'était dans la question de ma mère, mais vu que, tu sais, elle en avait deux, puis je la trouvais vraiment bonne, on l'a mis là. C'est pas tant une question rafale que je la trouvais vraiment pertinente. Y a-tu des rôles que t'as refusé, même si, puis là, on va vraiment le mettre en bracket, ça aidait la diversité? Si ça aidait la diversité. Tu sais, parce que je dis ça, parce que je pense à mon ami Adib qui fait, ben, tu sais, moi, on m'a proposé tout le temps, genre, un terroriste. Fait que, tu sais, c'est pas. Tu fais oui, on nous met de l'avant à TV, mais jamais positivement. Fait que tu sais, est-ce que tu as refusé un rôle malgré que ça, mettons, faisait la promotion de la diversité ou je sais pas comment bien poser non, la question. Si ça aidait, non, je comprends ta question. tu sais, non, moi aussi, j'ai plusieurs anecdotes de rôles que j'ai refusé parce que ça nuisait. Tu sais, des années, okay. Le taxi, on était. Je me souviens d'une époque où là, moi, Didier, tu sais, on s'appelait, on était comme, t'as-tu reçu ce call-là? Ouais, je l'ai reçu. T'as-tu, qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit non, moi aussi, tu sais. Il y a une époque où, à un moment donné, c'était que ça. Là. On t'appelait pour un chauffeur de taxi. Ça, j'ai souvent refusé. Mais honnêtement, si ça aidait, rarement, sinon, c'est vraiment à cause des horaires. Puis même là, j'ai souvent fait un effort. J'ai fait des affaires web que j'aurais pas nécessairement eu le temps. Puis j'ai squeezé ça dans l'horaire. Puis même si c'est pas avec ça que je paye mon loyer. Puis tu sais, non, si ça aide, honnêtement, depuis 5-6 ans, là, on travaille fort sur le dossier. Fait que je suis là, tu sais. Parfait. Bravo. C'est pour ça que je mettais la aider parce que, tu sais, en même temps, c'est comme nuire, justement. Fait qu'il y a des rôles que, oui, vous refusez parce que c'est justement, ça amène à rien, tu sais. Non, absolument. Puis, tu sais, Mais faut s'expliquer aussi. C'est une anecdote que, bon, je l'ai racontée la première fois. Je l'ai racontée souvent en entrevue, mais, tu sais, maintenant, juste refuser pour refuser, des fois, on peut aussi s'expliquer. Tu sais, il y a une série où il s'en allait dans le champ, selon moi, parce que le seul personnage black qu'il y avait, c'était un pimp, alors qu'on était dans un contexte de boxe. Puis j'étais comme, guys, j'ai écrit à la production, puis à l'auteur, puis au réalisateur pour faire, regarde, je n'irai pas auditionner pour votre rôle de pimp, parce que je pense que vous en allez dans le mur. Faites attention à ça. Tu sais, ils l'ont entendu. Fait que des fois, il faut juste s'expliquer. Ils l'ont entendu, ils ont fait, t'as raison, tel personnage, champion du monde, ça pourrait être un noir, c'est ça, tente-tu de le faire? Bang, je me suis commencé à faire le champion du monde au lieu de faire le pimp dans le vestiaire, tu sais. C'était vraiment gagné sur toute la ligne dans ce truc-là. Sauf le combat final dans la série, bien sûr. Et Sébastien Delorme l'a gagné, mais bon, pas grave. Ah. Ben, merci de ce partage-là. Puis, dernière question qui est vraiment la question niaiseuse à développement des questions rafales. Pour le restant de ta vie, juste du sexe sous l'eau ou juste du sexe en altitude? En altitude. En altitude, ouais. Pas marre, tu veux, ça va. Non, c'est un mythe. C'est un mythe, cette affaire-là. Ça frotte, ça fait mal, ça marche pas. Non, ça marche pas. Okay. Je suis un anti sous l'eau. Moi, le sous l'eau puis le dans l'auto, là. Ouais. Qu'est-ce que c'est dans l'auto? On va aller dans la chambre comme tout le monde, on va aller sur le salon. Non. L'eau puis l'auto, c'est du niaisage. Des affaires tout ce qui commence par eau, ça marche pas. Parfait, j'aime bien. on revient aux questions de base. C'est quoi ta plus grande peur ou une phobie que t'as?
Moi, j'ai une phobie, genre, pas rapport, incontrôlable, que je suis pas capable d'expliquer, des chauves-souris. Ah C'est. oui? Puis, tu sais, c'est facile à répondre parce que j'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des animaux en général. Tu sais, man, chauves-souris, là, ça passe, puis là, il y en a moins. C'est un peu triste d'un point de vue, mais moi, je suis content. Là, dans les Laurentides, il y en a vraiment moins. Ils ont eu des problèmes, les pauvres chauves-souris, il y a plusieurs années, avec une espèce de champignon qui se développait, puis il y en a beaucoup qui sont morts, tu sais, mais. Mais avant, là, quand il y en avait plus, là, man, elle passe, là, puis je te jure, c'est comme tout de suite, il y a un courant qui traverse toute la colonne vertébrale. Je me mets à avoir chaud ou froid, je ne le sais pas trop, sudation, puis je suis figé. Man, Ah ouais. tu sais, je me dis, c'est génétique, il y a quelque chose de. Il y a Mais des tu sais pas d'où ancêtres qui ça ont vécu, part. j'ai aucune idée. Mais, ben, tu sais, enfant, je vivais à Rosemère, il y en avait, puis là, tous les enfants, on se disait, ah oh, ouais, ça peut rester pogné dans nos cheveux, puis vous autres avec les cheveux que vous avez. Mais tu sais, tant qu'à ça, tu sais, je me suis déjà fait attaquer par un chien. Je devrais avoir plus peur des chiens, mettons. Tu sais, si c'est vraiment relié au passé. Ouais. Non, man. Puis mettons, un chien, ça ne m'a jamais fait non plus, même tout de suite après l'attaque. Je n'ai jamais eu ces symptômes-là, comme je te dis. C'est une vraie phobie. Les chauves-souris, c'est que je fige, je deviens. C'est physique, là. C'est vraiment physique. C'est étrange. Mais c'est étrange, tu dis ça, tu dis, vous n'aviez. Parce que moi, j'ai jamais vu une chauve-souris de ma vie, à part, je pense, au biodôme, là. Mais jamais dans ma vie, j'ai été à une place où il y avait des chauves-souris. Puis, tu sais, je suis allé tu sais, au Costa Rica, puis je sais qu'il y en a. Je suis allé à des places où est-ce qu'il y en a plus, puis j'ai jamais croisé une chauve-souris. Fait. Ah ouais, Wow. Rosemère. Puis, y en as-tu dans ton bout, tu dis qu'il y en a, là? Ben, man, j'y vois. Non, on n'en voit plus ici. Moi, j'en OK. vois plus. Écoute, je n'ai vu une passer, je pense, en 3 ans depuis ici. Non, mais ça, je sais qu'il y a eu une baisse des populations. Mais, tu sais, j'ai voyagé, mon gars, puis j'ai vu des. Je me souviens qu'en Guadeloupe, ils étaient très basses, puis c'était un peu plus grosses, puis ils passaient vraiment bas, là, man, au ras, là. Puis, tu sais, genre, je marchais, là, puis, si, elle passe, puis ça me. J'arrêtais, j'étais comme une statue. Puis là, mes amis étaient comme, ça va, man? J'étais comme, ouais, c'est 2 secondes, il faut juste que ça revienne. Il y a un shutdown dans mon corps, man. Puis C'est en comme Australie. les chèvres qui figent puis qui tombent sur le côté. T'as-tu Oui, déjà vu ça c'est ça. quand tu cries fort? Ah, exact. Puis même en Australie, ils les appelaient des flying foxes, genre des renards volants, mais parce qu'ils étaient gigantesques. Une fois déployés, c'était énorme, les ailes, mon gars. C'était. Puis, mais tu sais, c'est ça, j'ai réussi à vivre pareil, mais ah, je suis. Puis est-ce que ça Même au est-ce... biodôme, t'en parles, là, le biodôme, là, l'autre bord de la vitre, là, je pourrais Ouais. rentrer dans l'enclos, là, mais juste l'autre bord de la vitre, là, c'est comme vite, là, je marche, puis go, faut que je sorte de là, faut pas que je vois ça. Puis quand, mettons, parce que justement, on parle, tu sais, c'est vraiment une phobie. Est-ce que en image ou en, tu sais, télévisuellement aussi, ça t'affecte ou, tu sais, Ouais, Batman, ça je suis un va, peu. là? L'image, c'est tellement laid, c'est une chose. Oui, quand je vois une photo, mes enfants me niaisent avec ça. Des fois, ils aiment ça me montrer. Regarde, papa. Puis là, ils savent que j'ai. Aïe, man. Wow, je veux pas voir ça. C'est comme un paper cut, là. Tu sais, c'est comme si c'est un Ouais. feeling de. Ah, oh, je suis pas capable. Ça va passer, mais c'est pas agréable, je comprends. Ouais, Je comprends. exact. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Ben. On pense, puis on y reviendra peut-être, je sais pas, j'ai pas, Parfait. parce que, tu sais, j'ai pas ça comme réflexe, jamais, tu sais, Ouais. je suis pas quelqu'un qui souhaite quelque chose aux autres, tu sais, peut-être un peu de cheminée dans ma vie, j'ai fait un petit peu de cheminement, puis je sais que je fais garde, c'est son affaire, c'est son karma, c'est ses bottines, c'est son cauchemar à lui, il est là-dedans, j'ai plus le pardon que la Ah, rancune, mais puis la c'est bon parce que la question, c'est pas qu'est-ce que tu souhaiterais, c'est qu'est-ce que tu souhaiterais pas. Fait que même quelque chose que tu souhaiterais Ben, pas c'est à ça. personne, là, ça pourrait être ton pire ennemi. En fait, la phrase Ouais. est mal posée. Y a-tu quelque Ouais. chose que tu dis, hey, ça, j'aimerais ça que ça arrive à personne? Croiser un bassin de chauve-souris, peut-être, tu sais, ou je sais pas, Ben, mais. OK, un blanc sur scène. T'sais, nous autres, on connaît ça, mais les gens qui n'ont aucune idée, là, c'est un blanc de mémoire, là. Un blanc, la perte de mémoire, là, pas un blanc sur scène, là, tu souhaites Non, pas, non. c'est pas. Parce que ça, c'est Aucun blanc sur raciste, en scène. bas, aucun Ouais, c'est blanc ça. sur. C'est ça que je souhaite à personne. Un blanc de mémoire, merci. Oui. Je précise. Avoue, je ne sais pas le feeling, comment toi tu les vis, là, mais cette espèce de feeling que le stage ouvre et tu tombes en chute libre. Là. Ouais. Moi, en tout cas, c'est le même, je les vis. Là. C'est En pas as-tu cool. vécu? En as-tu vécu? Pas beaucoup. Tu sais, je dois être honnête, j'entends des histoires, des anecdotes, les gens racontent ça.
n'ai pas vécu beaucoup. Mais dans. Tu sais, des fois, ça peut être l'autre aussi, dans un David Mamet, justement, on en parlait tantôt. Tu sais, il y a une affaire de rythme, puis c'est écrit tellement. On a tellement besoin les uns des autres dans un Mamet, mon gars, qu'il y en a un qui tue. Là, tu fais, hey man, qu'est-ce qu'on va faire? Ou, oh my God, oui, ça m'est arrivé, encore pire qu'un Mamet. Dans un Molière. Fait que là, on est en alexandrin, on est en. Là, va improviser en alexandrin, toi, le grand, là. Come on. Là. Fait que c'est pas moi qui ai eu le blanc, tu sais, une chance, mais. Hey man, c'était une scène à deux, par exemple, puis j'étais comme. Ouais. Là, j'ai fait, je sais pas, ce qui m'a apparu une minute de chute libre, mais genre, ça a duré 10 secondes, genre, même pas. Ouais. Puis j'ai fini par me dire, ben, débrouille-toi, je peux pas t'aider, man. Je peux rien faire. Fait que, encore, ça a l'air bien gros, mais je pense que les gens qui font pas de la scène peuvent pas s'imaginer à quel point. C'est comme s'il y a plus rien qui existe, tu sais. C'est comme. Ben, je l'ai vécu, mais je l'ai aussi vécu par. Je veux dire, intérim, parce qu'Anélie, elle a eu un gros blanc qui... Elle, je pense qu'après ça, tu sais, on a déjà jasé, elle a fait de l'hypnose, tout ça. Puis elle a eu un blanc sur... C'est comme des lancements, là, tu sais, on fait ça, nous autres, là. On va, puis là, les diffuseurs sont là, puis ils regardent la pièce, puis hey, nous, on va l'acheter. Oui. Fait qu'elle a eu un blanc à ce moment-là. Fait que personne n'a acheté la pièce en plus. Fait que, tu sais, ça a comme été doublement traumatique. Puis elle a toujours eu peur d'avoir un blanc. Ouais, c'est ça. Puis je le comprenais pas, on avait conté cette histoire-là, tu sais, dans nos débuts. Puis moi, j'ai joué, puis c'est weird, là, tu sais, on dit tout le temps, là, nul n'est prophète dans son pays, là. Mais quand moi, je vais jouer dans la salle à Saint-Hyacinthe, je viens de là, j'ai tout le temps l'espèce d'attente de m'arriver là comme un kingpin, mais finalement, les gens, ils me connaissent pas parce que ça fait 20 ans que je vis à Montréal, puis tu sais, oui, je suis mascoutin, mais. Puis je rentre sur scène. Je commence, puis mon show commence en disant « Je m'appelle Guillaume Pinault, mais c'était pas ça à base le plan. Mes parents voulaient m'appeler Julien. » Ça commence de même. Puis quand je rentre sur scène, il y a une madame première rangée, puis je dis « Je m'appelle Guillaume Pinault. » Puis là, elle se met à me parler en signe. Puis je comprends qu'elle me dit « Je connais ton frère. » Fait que là, j'essaie de parler tout en comprenant ses signes. Puis là, maintenant, il y a un nœud qui se fait dans ma tête. Puis là, je fais « je sais plus. » Puis là, c'est comme des frissons qui me pognent en dedans. Puis je me suis juste levé la tête, puis j'ai regardé mon gars de son au fond de la salle, puis j'ai fait, je suis rendu où, Max? Puis il fait, ton nom. Puis j'ai dit, ouais, Guillaume, mon nom. Il me dit, ben, tu dis ton nom, t'es rendu là. J'étais comme, fuck, man, c'est tellement weird. Puis essayer d'expliquer aux gens, puis là, je voulais pas la ramasser. En tout cas, ça a été une des fois où je me suis dit, j'aurais juste dit, hey, madame, vous allez pas pouvoir me parler en signe tout le long du show. Là. J'ai juste arrêté, j'ai plus jamais regardé du show. Fait que tu sais, je scannais de même, je sautais par le ciel au milieu, puis j'allais, hey, c'est bon. Ça a été la pire fois. Fait que ouais. C'est vraiment angoissant. Puis en effet, après ça, c'est ça. Le piège, c'est la peur qui s'installe que là, ça te reprenne. Toi, ça t'as-tu fait ça après ça? Ton prochain show, t'as-tu eu comme. Ben oui, j'ai eu la chaîne. Puis le pire, c'est que on venait d'engager Mickaël Gouin comme metteur en scène de mon show. C'est le premier show auquel il venait assister. J'ai fait à quel point j'ai l'air d'une merde. Depuis genre un an, j'ai le nail. Puis là, il arrive, lui, pour checker qu'est-ce qu'on peut faire comme mise en scène. Puis je fige après 17 secondes, tu sais. Ah non, ça a été. Ouais, c'était tough. Une fois un show chez Duceppe, on est là en coulisses avant le show. C'était pas la première, mais on est quand même dans le début, là, l'une des semaines de la première. Fait que le show est encore fragile, si on peut dire. La nervosité est vraiment là. Puis discussion, puis la discussion finit là-dessus. On est là en coulisses, là, 5 minutes avant de rentrer. Puis tout le monde raconte des anecdotes célèbres de blancs de mémoire, genre fou là, au théâtre. Là, des 1 minute, un tel, puis l'autre. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait « Hey, on change tout de sujet! » Ah oui! Hey, puis on est tous rentrés sur scène tellement fragiles, là, genre, c'est comme si on s'était jinxé, là, tarc! Ouais. Ah non, c'est ça, c'est pas cool, ouais. Bon, parfait, on poursuit. Hey, on a tout le temps une pause pipi, ce sera mon tour. Ben oui, mon ben chat, oui. Mon chat, mon chat, il m'appelle. Oui, vas-y, vas-y, on va mettre... Prochaine question, c'est quoi pour toi le bonheur parfait? C'est un calme. C'est ça qui est étrange. Plus je vieillis, on dirait, plus je me rends compte que le bonheur est un calme, une acceptation surtout de ce calme-là. Moi, j'ai, comme bien du monde, été élevé dans l'agitation, le mouvement, à la maison, des activités. Faut qu'il se passe des affaires, Puis ce qui fait qu'on vieillit à un moment donné. Puis là, quand il se passe rien, on a l'impression, tu sais, on sent un vide terrible. Puis j'ai appris par des gens, puis en lecture de certaines sagesses que je pense que
Chris, il faut juste accepter, man, ce calme-là. Puis il y a comme les peu de moments où ça m'arrive, des fois. Ouais. Vraiment une sensation de bonheur qui s'installe, pour moi, en tout cas. Puis est-ce que ça te prend du temps à t'acclimater à ce calme-là? Tu sais, je prends l'exemple, c'est pas obligé d'être, tu sais, des fois, on prend une semaine de vacances, là, on s'en va, je dis dans le sud, mais tu vas en voyage, puis les deux premiers jours, ça spin, ouais. Puis après ça, tu fais ah, OK. Des fois, tu dis, ah, j'aurais dû prendre 9 jours, j'ai commencé à m'habituer à mi-semaine pour que j'étais bien à rien faire. Tu sais, c'est drôle. Absolument, je suis d'accord avec toi, puis oui, il y a tout le temps une période d'adaptation, mettons, tu sais, mais écoute, le but ultime, ça serait de ne pas attendre des moments. Tu sais, si tu es capable d'intégrer ça dans ta vie, quand tu travailles, quand il y a le tourbillon, man, tu es un master, c'est ça, tu sais, c'est bravo, c'est vraiment ça, éventuellement, le but ultime. Mais en tout cas, je sais, c'est vraiment pour moi, on dirait que je comprends que ça passe par le calme, par quelque chose de paisible qu'il faut apprivoiser puis accepter, dans mon cas, en tout cas. J'ai l'impression, comme analogie, c'est comme de se mettre en mode avion. Tu sais, comme faire, OK, là, il n'y a plus rien qui rentre. Il y a plus, là, je me mets en mode avion. Il n'y a plus rien qui me dérange. Je fais mes affaires. Ouais, ouais. C'est dur, oui, moi. Puis il ne manque rien. Ouais. Puis il ne manque rien, là. Tu sais, parce que c'est ça, au final, l'inconfort du malheur, là, mettons. Je pense que c'est toujours une espèce de feeling qu'il te manque quelque chose en ce moment, ici, là, maintenant. Puis tu fais, non, man, il ne manque rien, tu sais. Mais c'est dur. Puis tu sais, des passes où j'ai été bon là-dedans, mettons, parce que soit je consultais plus, justement, ou quoi que ce soit, je me sentais, je disais, my God, je suis guéri, je vais l'avoir, ça y est, c'est fait, c'est à vie, hey, man, la vie te ramène, mon gars, là. C'est des rechutes. Les trails sont bien tapés vers là, là, ce chemin-là, okay? Ça revient facilement. Ouais. Est-ce que tu te souviens, ça a été quoi, je te souviens, mais pour toi, ça a été quoi ta plus grande épreuve? La mort de mon père, je pense, mais plus grande épreuve, puis aussi la plus riche en enseignement, mettons. Tu sais, mon père, il est mort comme vraiment comme un homme digne, là, je sais pas comment le dire. Il était. Ben, on parlait d'acceptation, regarde, on vient de parler d'acceptation. Mon père Puis, tu sais, je ne l'ai pas connu de même là, de sa vie. Ce n'est pas un homme que je pouvais dire qui était sage. Mais dans les derniers 3 mois de sa vie, il a pogné de quoi. Tu sais, il avait un cancer là, vraiment avancé, ouais. Incurable. Il a fait « OK ». J'appelle mes amis pour leur annoncer que je vais partir bientôt. Je les remercie pour ci, pour ça. Nous, sa façon de nous l'annoncer, de faire « Je vais arrêter. Je ne veux pas que vous arrêtez de stresser. C'est comme ça. Je m'en vais. » Fait que ça a comme été... Ah, c'est comme un dernier enseignement qu'il m'a fait. Je trouve ça. Ça a été une belle mort, tu sais, quelque part, malgré. Ouais. Belle mort, mais... pas au niveau médical, là. Ouais. Mais il a été de sain jusqu'au bout, dans l'acceptation, même. C'était capoté. C'est tout pour l'avoir perçu comme un enseignement. Puis est-ce que tu étais jeune? Est-ce que tu étais âgé? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que t'étais... Non, c'est 2011. C'est 2011. Okay. J'avais. J'avais donc 34. OK. Oui, j'avais 34. Tu sais. T'as déjà assez de sagesse pour comprendre ce qui se passait. Là. C'était oui, pas, ben c'est ça. Ouais. Ça me parlait, justement. Puis j'étais là-dedans, moi aussi, dans des grandes réflexions. La vie, la mort. L'acceptation de la mort. Je vais-tu être capable quand ça va m'arriver? Tout ça. Puis bang, lui, ça y arrive. Puis même, il me le montre alors que j'avais pas du tout l'image d'un saint ou d'un sage de mon père. Là, ouais. J'avais une image de quelqu'un qui a été bouillonnant toute sa vie, puis tout. Puis, wow, arrive ça. Puis lui, il saute sur l'occasion de faire OK, c'est maintenant qu'il faut que j'atteigne un calme intérieur, puis tout. Ben, il a été vraiment impressionnant, sérieusement. Mais quand il y a du monde qui arrive au bout, tu sais, comme de façon sereine, j'ai pas eu beaucoup d'expérience, mais tu sais, je sais que ma grand-mère, ses dernières paroles, c'était hey, mon cœur a aimé au maximum que je pouvais. Je pense que je peux y aller. Tabarn. Hey. Ah ouais, mais c'est quand... frissons, là. Ah ouais, moi, c'est mes oncles qui ont dit ça à messe, tu sais. J'étais comme, ah, je trouvais ça tellement beau. Fait que, exactement, quand les gens sont sereins avec ça. Parce qu'il y en a qui veulent pas quitter, puis là, ça devient tough, là. C'est sûr que ça devient tough. J'ai un ami, moi, j'ai une belle anecdote aussi. Un ami, qu'ils ont retrouvé sa grand-mère couchée comme ça sur le plancher de la cuisine, la cage de l'oiseau ouverte, la fenêtre ouverte. Oh. Bonsoir. Genre, elle l'a senti, que ça.
à libérer son petit oiseau puis à se coucher, man. Puis, ciao, bye. Ah, c'est très beau. Ouais. Ce qui m'amène à... J'ai pas changé l'ordre. C'est vrai, on est dans un podcast de comics. Non, 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 non. Non, non. Le pire, là, c'est que c'est pas obligé d'être comique. C'est juste que à la première épisode que j'ai fait en pilote, j'avais fait ça avec Mathieu Pepper. Puis Mathieu Pepper, même chose, il parle du décès de son père, puis tout ça. Puis la question qui suit, c'est ton dernier fou rire. Puis je l'ai jamais changé de place. Je sais que c'est un gros clash, mais je trouve ça bon qu'il soit placé à cet endroit-là. Je sais pas. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Est-ce que... Hey, c'est ça, je le cherchais tantôt. Ah, je cherche. T'as une minute. Mais il y a pas de stress, là, s'il y a pas... Mais tu sais, comme tu Ben, dis... c'est sûr qu'un dernier fou rire professionnel, tu sais, c'est sûr que c'est sur Ladies Night. Je veux dire, ça, c'est sûr. Des Ouais. moments qui sont arrivés de. Tu sais, juste Marcel qui doit se tasser de même, mais tu sais, il y a une espèce de mouvement bien latéral avec sa chaise, puis même la chaise a flippé, tu sais. Man, on a cassé, je pense, 5 minutes, pas capable de reprendre, man. Le bœuf, sac sur le dos, je sais pas, man, ça nous a fait rire. Mais tu sais, on a eu, genre, mais dans un film qu'on écoutait récemment, puis qu'on a vraiment ri. Je peux dire qu'un des derniers films, mais ça fait longtemps pourtant, où j'ai vraiment. Il a fallu que je mette pause pour reprendre mon souffle, c'était Bienvenue chez les Ch'tis. Film français. Oui. Oui, man, Wow! Pause, là, parce que j'étais en train de m'étouffer. Ça, je me souviens que ça m'a fait ça. Mais bienvenue chez les Ch'tis. J'allais réécouter pendant la pandémie aussi. Puis C'est je me encore bon, souviens ça. que c'est encore bon. Puis Anne-Elisabeth était comme, ah, j'ai pas tant envie. Puis quand j'ai dit, je te jure, il y a quelque chose dans ce film-là que quand on l'a écouté, puis elle a fait, ah, il m'a quand même fait du bien. Il y a quelque chose de beau dans ce film-là. Oui, t'sais, ça vieillit, là, mais je sais pas, c'est vraiment bon encore. Je l'ai trouvé encore bon. Oui, ok, Ouais. je vais me le retaper. Mais sinon, tu sais, je peux dire qu'on a, tu sais, écoute, j'ai plusieurs anecdotes, mais c'est peut-être pas les derniers, mais tu sais, un fou rire à un enterrement, ça m'est arrivé, c'est un classique, enterrement où c'est pas vraiment, on y va vraiment pour l'ami qu'on a, c'est son père qui est Ouais. décédé, mais tu sais, on le connaissait pas, le bonhomme, mais on y va par, tu sais, solidarité, toute la gang, puis. Mais ma fille était naissante, elle était vraiment pas vieille, en tout cas. Puis on a le bébé, puis on arrive un peu en retard parce qu'on a un bébé, puis des couches, puis il fallait changer, puis gna gna. Fait qu'on se ramasse en avant, même, avec la famille, avec les proches. On est déjà pas bien d'être si en avant avec les proches. Puis on a un bébé dans les bras, puis il y a une madame d'église, coiffée, mon gars, là, qui s'avance pour chanter, puis elle roule ses airs dans ses chants. Ouais. Ou une chance, j'avais un bébé dans les bras, là, je m'en suis servi pour. Pour quitter, oh là, il y C'est pas a dur, envie. là. Un fou rire de funérailles, là, je pas que je vais te relancer, mais Alors, oui, lance-toi là. j'ai un ami qui son ex-conjointe est décédée, puis c'est la mort de ses enfants, fait qu'on a assisté. Puis à un moment donné, tu sais, les curés, des fois, ils s'emportent où ils veulent être comme 2.0, là, montrer qu'ils sont adaptés à la nouvelle génération. C'est comme, on comprend que vous soyez triste, elle est partie trop tôt. Il se trompe aussi dans la raison de son départ, là, tu sais. Il nomme une maladie qui n'est pas cette maladie-là. Puis je suis comme, c'était pas la glande thyroïde. Et là, on est le même. Nous, on est dernier rangé pour mon chum GF. Puis là, Mané, il dit, nous, on a un cercle d'amis. C'est normal que vous ayez de la douleur. Nous, on a un cercle d'amis dans lequel aussi on partage nos douleurs. Puis des fois, on se dit, j'ai de la douleur. Puis il fait, moi aussi, j'ai de la douleur. Comme le hashtag MeToo. Et là, il dit comme le hashtag, parce qu'il veut ramener ça à l'actualité. Puis là, on fait, non, 2.0. non, non, non. Il a pas Non. dit comme le hashtag Comme. MeToo, là. Ah, hey, ça, Ah, là, j'étais en arrière, wow. puis je ris. J'ai mon chum Jeff qui me serre une cuisse de Pinot, voyons, on reprend tout. Puis il essaie de me faire mal pour que j'arrête de rire, Je mais je fais, comprends. y a-tu dit hashtag MeToo à l'église, hostie? Ça se peut pas qu'il ait dit Man. hashtag MeToo. Puis, ah non, j'ai... Mais aussi, c'était des trucs de chansons. C'est pas moi qui l'ai vécu. Je sais même pas si je l'ai déjà dit ici, mais c'est arrivé à une, je te dirais, hors d'onde, c'est une actrice bien connue, mais je pense que c'est une de ses tantes à la mort d'un oncle ou je sais pas quoi. C'est elle qui a décidé de chanter. Elle voulait chanter la chanson de Luc de La Rochelière, La vie est si fragile. Mais Ouais, elle, mais elle tout au disait long, facile. La vie est si facile, ça n'a Aïe, pas aïe, aïe. de bon sens. Wow! Oh, man! Ah, ça, c'est bon, là. Fait que, Ah! ouais. Il y en a Et... plein des beaux moments. Hey, si Ah, vous avez, c'est hey, je le sûr. dis aux gens,
Parce que je demande tout le temps qu'ils partagent. Si vous avez des fou rires de funérailles, je veux avoir ça dans les commentaires. Ça m'en prend. Je veux tout savoir. Oh, ouais. La prochaine question, je donne tout le temps le crédit. Ça vient de RuPaul's Drag Race. Il pose ça tout le temps aux drag queen finalistes. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Fred si tu veux le rencontrer? Ah ouais, c'est pas exactement, ouais. Il demande pas aux drag queens qu'est-ce qu'eux diraient au jeune Fred, mais j'ai transformé ça, tu sais, genre, ah non, c'est ça. Ils sont comme Fred. De pas s'en faire, ça va bien aller, tu sais, je pense que. Ouais, de pas s'en faire. Tu sais, j'ai eu une nature inquiète toute ma vie, moi, vraiment, je tiens ça de ma grand-mère. Puis on disait, toujours inquiète, toujours dans l'appréhension, toujours, je suis encore des fois à gérer ça. En fait, souvent. Arrêtez de s'en faire, man. Ça va aller, man. Ça va aller. Mais pas ça va bien aller avec un arc-en-ciel. Ça va aller. Ouais. Ça va être correct. Moi, j'ai changé ça pour ça va être correct. Je suis plus capable de dire ça va bien aller. Ça va être correct. Je comprends. Ouais, man, ça va être correct. Puis un peu comme no matter what, ça va être correct. Genre, je me suis tellement inquiété aussi, peut-être en ayant commencé si jeune dans le métier, puis en ayant. Tu sais, t'as toujours en arrière de la tête, là, ouais, mais le jour où ça va me lâcher, ouais, mais le jour où ça va s'arrêter, ouais, mais le jour où. Toujours un peu une peur que tout s'arrête, une peur que ça marche pas. Tu sais, c'est bon, ça va marcher. Là. Fais tes affaires, fais-les bien, fais du mieux que tu peux, puis man, ça va marcher. Là. C'est ça que je dirais. Parce que souvent, c'est les gens arrivent, puis ils font, je pense, je dirais rien, tu sais, parce que je suis rendu là aujourd'hui, fait que j'ai dû faire quelque chose, tu sais, pour que tu sois rendu là, ce que tu es aujourd'hui, c'est juste bien de faire, hey, arrête de t'en faire, ça va bien exact, aller. Exact. C'est la bonne affaire à dire, fait que. Tu sais, genre, ouais. En plus, c'est que tu vas gagner en confiance bien plus rapidement. C'est surtout ça que je dirais, tu sais. Ça va juste éliminer une étape qui n'est pas nécessaire, même, qui fait juste un peu ralentir le train, là, tu sais, une espèce de boulet de non-confiance ou de peur qui t'habite des fois. Ah ouais, man, tu sais. Mais je me demande si c'est pas un passage obligé parce que. Ouais. Tu sais, on. Et puis là, je ne veux pas parler autant de mon chapeau, mais on dirait que ceux qui ont confiance dès le début, soit que j'y vois un peu qui deviennent des tas ou qui. Je sais pas trop. On dirait que c'est weird. Je pense que c'est correct d'avoir un petit frein de. Ça se peut-tu que ça soit pas si facile ou que. Je me pose des questions. J'ai l'impression que ceux qui ne se posent jamais de questions, soit que le mur va venir d'une façon inattendue ou il y en a, c'est vrai que peut-être qu'ils ont été confiants toute leur vie puis tu fais « Hey, ça va bien », mais je pense que c'est correct de se poser quand même des questions un peu tout le temps. T'as raison parce que j'imagine que avoir confiance, tu sais, surtout dans le début d'une carrière, si t'es vraiment en confiance, pas sûr que ça va être une saine confiance. Puis en effet, des fois, je pense que ça peut se traduire par des gens qu'on étiquette vite comme des mangeurs de marde. Ouais, c'est le mot que je... Oh, il y en a. Ça existe dans tous les milieux, ça existe. Oui. Ouais. Fred, ça a été quoi pour toi ta découverte de l'année? Que ça soit une personne ou bien une chanson ou un compte Instagram, un livre, y a-tu quelque chose que tu as découvert cette année? Ben oui, mais c'est personnel, c'est une découverte... Tu sais, dans la dernière année, j'ai pris les nouveaux chapeaux au niveau de la carrière. Je suis en écriture, je me lance en production aussi. Fait que, man, ça fait le lien avec ma dernière réponse de, tu sais, ça va bien aller, c'est correct, j'ai confiance, nanana. Mais, puis dans ces processus-là, je me suis trouvé des talents que je ne pensais pas que j'avais en genre de leadership aussi pour gérer une gang, amener une gang vers un projet précis, leur transmettre. Tu sais, mon expérience au Bye Bye, ça a fait ça aussi, de ramasser une équipe d'humoristes noirs, de leur transmettre qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce que la production attend d'eux, puis de les diriger là-dedans, de relire les textes, de retravailler dessus. Je me suis trouvé un talent comme ça que je ne soupçonnais pas du tout. Un peu un talent de leadership pour l'idée des projets. Voilà, c'est vraiment étonnant. Hey, c'est parfait parce que Fred, on tombe maintenant à la question de mon dernier invité pour toi, qui était Mike Ward, et voici sa question. Frédéric, pourquoi les auteurs noirs du Bye Bye n'ont pas eu de nomination au gala Les Prix Gémeaux? Ça, je peux pas répondre. Je peux pas répondre parce que, non, mais la base, c'est qu'ils mettent les 8 auteurs principaux en nomination. Mais checkez vos nouvelles bientôt. Peut-être qu'il y a... Parfait. Peut-être que ça va changer. Super. Hey, sais-tu quoi? Les Patreons vont peut-être le savoir. Hey, Mike, puis il était... J'ai dit au début,
faut que je te prépare. Tu sais, à la fin, tu vas poser une question à Fred Pierre. Fait, j'ai ma question. On dirait que c'est beaucoup trop rapide. Fait, j'ai ma question. Il était vrai, un enfant qui est heureux. Puis t'es arrivé à, puis je l'ai softé. Je t'invite à aller écouter le podcast avec Mike quand il va sortir. J'ai softé la question, là. Ouais. Parce qu'il était. Ouais, mais Mike, c'est très bien que c'est pas moi qui a ce pouvoir-là aussi. Non, mais. Mais c'est ça, je vous dis, c'est fascinant. Mais checker l'actualité prochainement. Peut-être que la question ne vaudra plus. Peut-être qu'il y aura des changements. Parfait. Super. Et voilà. Merci de ton partage. Et c'est maintenant, on est rendu à la dernière question qui est à ton tour à toi de poser une question pour mon prochain invité qui sera Alex Perron. Alex Perron, oui, exactement. Alex Parce que l'autre fois, j'ai appelé Alexandre, j'ai fait non, Alex. Ah oui, c'est Alex Perron. Alex, oui. Alex. Je veux savoir si c'est ses vrais cheveux. Mais ouais, c'est quoi ce cheveu-là? Ça peut pas. J'ai toujours l'impression qu'il y a une magnifique perruque d'un maître perruquier en France, parisien. Hey, tu sais quoi? Je pense que c'est ses vrais cheveux, mais que c'est pas sa vraie couleur. Mais il y a vraiment... T'as raison, ça m'épate à chaque fois. Elle est coupée bien carrée, bien frisée, bien arrangée. Le curl est parfait, le blond est parfait, la teinture, le reflet. Puis si c'est sa vraie... C'est une question à deux volets. Si c'est ses vrais cheveux, qu'il nous dise combien ça, il dépense en cheveux par année, en coiffure, salon, etc., en produits. Mais on dirait, j'espère qu'il me dit non, et là, il enlève sa perruque, puis depuis ce temps, il est complètement chauve, puis on le savait pas. Les deux réponses vont m'épater, j'ai vraiment hâte. Merci. Merci pour ça, Fred-Pierre. Puis je termine avec ça. Y a-tu quelque chose que tu aimerais plugger? Y a-tu quelque chose qu'on doit aller regarder, qu'on doit suivre, qu'on doit lire, qu'on doit écouter, consommer? Ben, tu sais, oui, ben, continuez d'écouter Alerte. On est vraiment contents. TVA sont contents. Tout le monde est content. Les codes d'écoute vont bien. Fait que continuez. On se lance là-dedans, nous autres, prochainement, la prochaine saison en tournage. Puis, je vais être aussi à nouveau dans la nouvelle comédie de Catherine Anne Toupin avec Catherine Anne puis Vincent Leclerc. On fait un triangle amoureux qui est bien le fun. Voilà, pour l'instant, les autres affaires, les fantastiques continuent à nous écouter. Ben oui. On nous écoute, c'est malade. Puis les autres affaires, ben c'est ça, je peux pas en parler. C'est des projets qui sont comme en développement. En fait, je peux pas en parler. Parfait. Hey Fred Pierre, merci beaucoup de ton temps. Je vais te laisser dire bye, puis je vais partir violemment le générique qui part beaucoup trop vite. Fait que je te dis au revoir. Merci à toi, Guillaume. C'était vraiment un plaisir. Et puis honnêtement, c'était smooth, c'était cool. J'étais nerveux, je sais pas pourquoi, parce que j'appréhende tout le temps. Ça a bien été. Merci bien. Ciao! Ciao, mon vieux!